donc le petit lait, les ribots, babeurs, autant de noms pour un même produit. Il n'est pas tout à fait impossible qu'à l'instant précis, je ressemble un peu à une certaine publicité. Alors, ces bougies étaient fabriquées le soir pendant la veillée par les enfants. Et oui, c'était une autre activité que réalisaient les enfants lors de la veillée. Alors, quand on avait fini la petite bougie, vous voyez, elle est quasiment finie là. On voit sur les photos là, pour le chauffer. Donc, après, on enlève tout après, débarrasse, il n'y a plus rien dedans là. Du coup, la première demi-heure, que de la flamme pour chauffer toute la voûte, et la deuxième demi-heure, que de la braise pour chauffer la sole. Donc en fait, c'est un compromis entre les deux, donc il faut bien chauffer. Quoi. C'est pour ça que ça peut être bien cuit là, mais en dessous, on peut avoir la surprise de pas trop cuit. Quoi. Il était de tradition d'offrir un petit fer à repasser à la jeune mariée avec son prénom dégravé dessus. Alors messieurs, je vais vous le dire, on n'aime pas ce cadeau. Préférez la petite fleur, c'est moins dangereux et ça vous permettra de renouveler comme ça vos vœux plus souvent. C'est de la farine de sarrasin, qu'on appelle aussi blé noir, du sel, de l'eau et c'est tout. Voilà. Les femmes faisaient la pâte à crêpes le jeudi soir et on mangeait les crêpes le vendredi. Le vendredi, c'était vendredi saint, jour maigre, donc on ne mangeait que des crêpes cassées dans le ribot. On va parler tout de suite des choses qui fâchent, la fameuse différence entre les crêpes et les galettes. Ça, c'est cause de gros conflits, ça. Voir de la fontaine. Poule, ça va désigner un trou, une mare, par extension le lavoir, et fêtant au fenton, bah, c'est la fontaine qui est un petit peu plus haut. Eh oui. Il y a ici eau non potable. Oui. Il n'avait pas écrit ça à l'époque, c'est tout. À mon avis, il l'a buvé aussi. Et puis ensuite, on va laisser tremper comme ça toute la nuit. Le lendemain matin, on va mettre tous les draps trempés dans la gartelle, la barouette. Eh oui, c'est pour ça qu'elle a cette forme incurvée, c'est pour pouvoir mettre le maximum de draps d'un coup. Mais alors, 6 mois de draps trempés dans une barouette en bois. Ça pèse un âne mort, cette histoire. Ou une belle-mère. Ou une belle-mère, même poids, même caractère. Ah, c'est tout pareil. Tout pareil, morte ou vive. Tout pareil. Alors, c'est pas nous qui allons la descendre, ce barouette-là, c'est les bonhommes. Hein. De gré ou de force, c'est eux qui nous descendent la barouette. Puis après, ils s'en retournent. Il n'y a pas de bonhomme. Il n'y a pas de bonhomme à la voir. Ils sont bizarres, hein, ceux-là. Ils ne sont pas comme les nôtres. Hein. Les nôtres, à peine ils ont posé la barouette, ils sont repartis là, pour aller boire un coup au bistrot, tiens. Oh, t'es gentil, toi, avec eux. Oh oui, 2 coups, 3 coups, bah, 4 coups. Oui. Si bien que quand le soir, nous, on a terminé notre lessive de drap, bah, c'est nous qui avons la barouette dans les mains avec le bonhomme dedans pour le ramener à la maison, tiens. Bah, nous, on les reconnaît, hein, les amateurs de barouette. Je regarde là depuis tout à l'heure, il y a quelques amateurs. Oh oui, quand même. Hein. Oui. Bah, parce que. Ils sont bien installés là-dedans. Bien arrondis là. Il y a la tête qui frotte contre la roue. Bah, du coup, à force, là-haut. Il y a plus rien là-haut. Ah, oh, ben oui, ben ça, il y en a qui assument, puis il y en a qui assument pas. Ben, ouais. Il y en a, ils portent des casquettes ou des chapeaux. Nous, nous la fait pas chez nous. On dit homme à casquette, homme à barouette, homme au chapeau, homme au bistrot. Oh, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Au moins, vous êtes au courant. Hein. Voilà. Quoi, non. On dit que la vérité. On dit que la vérité. Oh, bah oui. Par contre, tu te rappelles il y a 2 ans là. Ah la garce. Ah bah celle-là, il l'aimait bien. Hein, bah tiens. Dieu, c'est sûr qu'il l'aimait bien. Bah, oui. Faut les voir comment qu'elle arrive. Le corsage ouvert jusqu'au nombril, ah, vous voyez ses mollets là. Ah, et bah, ça tiens. Faisait les yeux doux à nos maturas. Ah, ah bah ça, ça nous a pas plu. Alors c'est malin là, les nigauds, ils étaient tous derrière le muret à zioter. Ben oui, ils croyaient qu'on les voyait pas. T'avais tous les bouts des chapeaux qui dépassaient. Alors tu parles. Enfin, premier lavoir, on lui a rien dit à celle-ci. Mais alors deuxième lavoir, oh, ben là, on était quelques-unes à l'attendre. Un coup de battoir, un coup de batacouette. Zaou, dans le lavoir. Ouais. Ah bah dis. Puis on lui a dit, va donc refroidir là où c'est tic tac chaud. Vous rigolez, mais dès qu'elle est tombée dans l'eau, ça s'est mis à bouillir. Ah bah ouais, on a été obligé de la retirer, hein, du lavoir. Bah il y aurait eu plus d'eau dans le lavoir. Bah c'est ça, bah elle a inventé le lavage à l'eau chaude, celle-ci. Hein, je crois qu'elle a connu tous les lavoirs du coin. Ah oui, mais je crois qu'on la reverra pas de sitôt dans le coin. Non, je crois qu'elle est partie chez sa cousine, la Thérigène, au fond du chaussée là-bas. Ah bah oui, dis. Hein.